Je vais vous parler, oui, des démons du Canigou en vous expliquant comment ces démons se sont transformés en quelque sorte en extraterrestres. En même temps, je viens en marchant sur des œufs, si je puis dire, parce que je ne viens pas ici pour vous dire que les extraterrestres n'existent pas. Je ne voudrais surtout pas venir vous détruire, enfin détruire le plaisir que certains d'entre vous ont peut-être de croire au trésor de la buissonnière, aux extraterrestres, aux fées, à toutes ces choses-là. Je serais même malheureux de vous rendre malheureux, plus malheureux que vous n'êtes venu ici. Mais voilà, la question que je viens vous poser aujourd'hui, à vous les terriens, c'est pourquoi êtes-vous venu ici? Alors certains voulaient peut-être et seront déçus avoir des indications pour trouver le trésor caché dans les parages. D'autres espèrent peut-être de moi que je leur dise où se trouve la base des soucoupes volantes qui se trouve enterrée, même si ce matin nous avons eu une indication. Je ne dirai pas où il fallait être là ce matin. Ce n'est pas loin. Et d'autres sont venus simplement pour entendre de bonnes histoires. Et en fait, on est tous là pour le plaisir de bonnes histoires. Mais certains d'entre nous trouvent que l'histoire est encore meilleure quand on se demande si elle est vraie ou s'il n'y a pas un peu de vérité dedans. C'était tout le sujet aussi de la première conférence. Derrière ces histoires de trésors, le trésor des Visigoths, voyez, avec des auteurs qui ont l'air sérieux, qui ne donnent pas leurs sources, mais si on a eu Procope de Césarée, que je vais m'empresser d'aller voir de près, parce que voilà, je suis comme ça, je suis comme saint Thomas. Et donc il y en a qui se contentent d'avoir un conte, un joli conte, et d'autres qui préfèrent la légende. La légende, c'est le conte qui est rattaché à un lieu précis. Dans le paysage, on dit, voilà, ici, il y a un fantôme, ou on a longtemps dit qu'il y avait un fantôme. Et ces légendes, on a souvent l'impression que finalement, c'était les récits du temps passé, les récits auxquels croyaient naïvement les gens, plus ou moins naïvement, même si ces fantômes, on a les films d'horreur aujourd'hui pour continuer à faire vivre le thème. Et la peur et le plaisir associés à cette peur, ces légendes continuent à vivre, mais elles prennent d'autres formes. Et ça, je l'ai découvert très tardivement, quand j'étais tout petit. Pour mieux vous parler de vous, je vais vous parler un peu de moi, ce que je fais rarement d'ailleurs dans les conférences. J'ai commencé à aimer entendre des histoires auxquelles j'avais envie de croire. Et je me souviens que, donc, à 12-13 ans, j'étais passionné par les histoires d'extraterrestres et d'OVNI, d'autant plus que c'était l'époque, dans les années 70, parce que certains d'entre vous s'en souviennent certainement très bien. Chaque semaine, dans les journaux, Dépêche du Midi ou autres, on avait une observation d'OVNI. Ça faisait partie pratiquement du quotidien. Si ce n'était pas chaque semaine, c'est chaque mois. Et près de chez vous, partout en France, la fameuse vague dont Jean-Claude Bourré avait fait des livres. Alors, il continue d'ailleurs. J'ai vu qu'avec Petit, il avait ressorti là tout récemment un nouvel ouvrage. Mais sans cette masse de témoignages qui était extrêmement troublant. Et il faut bien l'admettre, et ce sont les ufologues eux-mêmes qui le disent. Je l'ai entendu à Pérols, à Montpellier, il y a 2-3 ans. Même ceux qui ont passé des nuits entières dans les champs à guetter le retour des extraterrestres, des ovnis qu'on y avait vus, disent aujourd'hui, mais où sont passés les extraterrestres? J'avais même fait un rêve à l'époque, et je vous parle du rêve exprès. Parce que nous avons en nous quelque chose quand même d'assez étonnant, fascinant. Chaque nuit, nous rêvons d'une manière plus ou moins, d'ailleurs, parfois bizarre ou incompréhensible, mais parfois d'une manière suffisamment parlante pour finalement nous retrouver avec des films ou des histoires aussi troublantes qu'un bon film ou qu'une bonne histoire que nous aurions lue. Et je devais avoir 12-13 ans quand je fais le rêve que je suis avec ma classe de 6e dans une forêt. Et voilà que m'étant écarté du groupe, je reviens et, horreur, une soucoupe volante énorme s'est posée et je vois tous mes petits camarades avec le professeur à la queue leu-leu, qui rentre dans l'engin pour se faire enlever. Moi, je suis à plat ventre,
entre les buissons. Les extraterrestres ne m'ont pas vu. Et là-dessus, je me réveille. J'ai vécu aussi dans des régions chargées de légendes. Je pense en particulier à la Bretagne, à la Provence. Et tout ça, voilà, ça fait une petite cuisine qui, au fil des années, produit des choses, mais pas tout de suite, toujours. Longtemps après, donc tout ça, c'était juste des thèmes d'intérêt. Voilà, j'aimais beaucoup ces histoires-là. Je deviens libraire acéré et je me souviens du jour où je vois arriver un petit livre d'un certain Jean d'Argoun, que certains d'entre vous connaissent sûrement. C'est le pseudonyme d'un monsieur qui s'appelle en fait Philippe Julien. Bon, c'est, vous voyez, Jean d'Argoun, ça passe mieux quand même, ça fait mieux. Mais quand même, j'ouvre ce petit livre sur le Bugarach. Excusez-moi, je vais le prononcer à la catalane, ça va m'échapper. Je ne vais pas réussir à dire Bugarach, mais voilà. Je me souviens de ce récit où il dit, de façon très sérieuse, sans avoir l'air de prendre le lecteur pour un imbécile ou un naïf, qu'il a reçu des visites des Men in Black, en quelque sorte, hein, de mystérieux visiteurs, et qui sont physiques, hein, qui l'emmènent avec, dans des limousines noires, lui montrer ce qu'ils ont à lui montrer pour qu'il révèle à l'humanité tout ce que contenait le petit livre, en particulier donc l'existence de bases souterraines sous cette montagne. Et j'avais beau être, comment dire, avoir quand même un cerveau gauche, c'est celui de la raison, hein, du rationalisme développé par mes études, et j'ai reçu la même éducation que vous. Hein. On a bien un côté un peu rationnel quand même, qui fait que d'ailleurs on peut vivre, hein, sans arriver à l'épicerie en disant je suis la réincarnation de Charles X et j'ai besoin d'un peu de riz et d'une côtelette pour survivre à midi. Je me souviens du frisson que j'ai eu en lisant ce récit d'un auteur que je ne connaissais pas, et pendant quelques secondes, en me disant, mais et si c'était vrai, hein, le plaisir que vous avez de douter. Ça, c'est le fantastique. C'est le plaisir que donne la littérature fantastique. C'est le plaisir d'une découverte enfantine, qui est celle d'un trésor possible, d'un secret, voyez, quelque chose qui est caché, mais que vous êtes en train de découvrir. Il y a aussi le plaisir, je crois, de la peur associée à cette découverte. Parce que l'or du diable, ces extraterrestres qui sont des créatures supérieures à nous du point de vue technologique, voyez, sont-ils bons, mauvais, quelles sont leurs intentions, il y a un doute qui plane sur ce secret, cette vérité, mais ça participe au plaisir. Et puis, il y a aussi le plaisir, je crois, d'être quelqu'un de spécial, qui sait des choses que les autres ne savent pas. Hein ? Tout ça, je crois que ça anime aussi voilà, une histoire comme celle de Rennes-le-Château. Et nous voilà donc au Bugarach et à Rennes-le-Château. Et voilà qu'après avoir été libraire, je me retrouve, alors je n'avais vraiment pas prévu, vraiment, en train de faire une thèse de doctorat et chercheur en quelque sorte, universitaire si vous voulez. Et je traduisais pour la première fois un humaniste d'origine chypriote qui, après des études en Italie du Nord, arrive à Perpignan et il publie le premier livre imprimé dans la ville. Il est enseignant pendant 2-3 ans à l'université de la ville, donne des cours de latin et il fait jouer des pièces de théâtre. Je vous dis tout ça parce que donc, ça vient de paraître aux presses universitaires de Perpignan le 3 janvier. Là, c'est sorti, c'est en librairie. Et dans la préface de ses pièces de théâtre, il dit qu'il écrit cette préface donc à Barcelone, où il, de toute évidence, il cherche fortune. La cité d'Hercule, ça a commencé comme ça. La cité de Barcelone, la cité d'Hercule, je tombais des nues. Quel rapport avec Hercule, vous savez, le héros grec. Et donc, faisant mon enquête, simplement pour mettre une petite note en bas de l'édition, pourquoi dit-il cité d'Hercule, je découvre que les gens les plus savants, depuis le XIIIe siècle à peu près jusqu'au XVIIe siècle, en Espagne et on pourrait dire finalement dans toute l'Europe lettrée, croyaient très sérieusement qu'Hercule avait été non pas un dieu, mais un homme. D'ailleurs, qu'il y en avait plusieurs, ce qui expliquait les variantes de la légende qui avait circulé à la tête de certaines armées et qu'il avait entre autres fondé Barcelone.
Et en faisant ces recherches, voilà que je tombe sur un de ces historiens qui faisait vivre cette légende au début du XVIIe siècle, Jeroni Pujades, un historien de Figueres, oui, de Catalogne du Sud, comme on dit maintenant, qui donne une légende du canigou en disant en catalan, donc ben, il l'a traduit en catalan, en disant que sa source est un moine français, Pierre Bersuire, du XIVe siècle, qui lui-même tient cette légende d'un auteur encore plus ancien, Gervais de Sudbury. Enfin, j'avais le fil. C'était extraordinaire pour un latiniste de découvrir dans la traduction de textes en latin de la légende la plus ancienne dans les écrits de la montagne au pied de laquelle je vivais. Et donc, je me retrouve ainsi devant le texte de Gervais de Tilbury, qui date de 1215 à peu près. Très heureux de lire cette histoire, cette excellente histoire d'une jeune fille, 7-8 ans, hein, qui, habitant à la Jonquière, en plus de ça, les toponymes sont restés bien repérables, ennuie son père, elle pleure, vous savez comment sont les enfants, hein, si vous en avez eu. Et donc le père l'envoie au diable, il n'en peut plus. Et là, c'est ce qu'il fallait pas dire, évidemment. La pauvre fille se retrouve emportée de façon invisible par les démons qui n'attendaient que cela. Et elle se retrouve donc, la malheureuse, tout au fond d'un lac qui se trouve au sommet de la montagne. Comment a-t-elle été délivrée? Parce qu'un jour, quelqu'un passe par là, un habitant, donc un catalan, et croise un drôle de bonhomme qui ploie sous un poids invisible en se plaignant: comment je vais y arriver sous un tel poids, c'est terrible, etc. Et donc il l'interroge, il dit: mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il lui explique qu'il a été maudit par son père, de la même manière que la jeune fille, et que depuis il est l'esclave donc des démons du canigou qu'il doit transporter de cette manière-là. La preuve en est, donc, lui dit-il, qu'il y a avec lui une jeune fille d'un habitant la Jonquière, il donne le nom de son père, Pierre de Cabinat, mais donc les démons n'en peuvent plus. Ils aimeraient bien les démons que le père vienne la chercher. Et donc il lui dit, il faut simplement aller dire au père qu'il suffit d'aller prier le bon Dieu là-haut et ils lui rendront sa fille. Donc l'homme est un peu interloqué de ce qu'il entend, mettez-vous à sa place, mais dans le doute, ma foi, il accomplit une bonne action, il va jusqu'à la Jonquière et il apprend qu'en effet, il trouve le père en pleurs dans sa maison, enfin qui pleure sa fille depuis 7 ans, 7 ans. Et donc le père décide d'y monter, bref, la fille est délivrée grâce aux prières que fait le père. Je ne vous décris pas la figure horrible qu'elle a quand elle apparaît devant lui. Elle est à peine reconnaissable, de la peau sur des os, des nerfs qui tiennent à peine cette pauvre enfant, hagarde, qui ne peut plus prononcer une parole humaine. Donc le père la ramène à la maison et l'évêque de Gironde, dit-on, l'emmène à l'église pour la montrer donc à son troupeau, le troupeau dont il a la charge. En recommandant, à partir de ce jour-là, et ça vaut pour nous, je crois, c'est toujours valable, cette histoire, et son enseignement, de ne plus maudire les enfants, car voilà ce qui leur arrive. Bien. Le jeune homme est délivré de la même manière. J'ai cru faire un article d'une dizaine, une vingtaine de pages sur ce texte. Voilà. Et puis, malheureusement, voilà, je commence à écrire, à faire des commentaires, etc. Et puis l'article est devenu un livre. Voilà, ce que j'avais vraiment pas prévu. Pourquoi? Parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait entre cette histoire des éléments qu'on retrouvait dans beaucoup d'autres histoires et une logique m'échappait. Comme vous, j'ai à la maison toutes sortes de livres. Il y en a de très bons qui ont été écrits sur les gens de mon département, mais qui sont toujours classés avec les différents personnages. Les sorcières, les fées, les animaux fantastiques, etc. Et donc, après avoir fait l'histoire de la légende dans ses transformations au fil des siècles, tant qu'on nous parle de démons au sommet du Canigou, dans ce lac sans fond, ce qui prenait déjà pas mal de pages, je comprends. Je commence à comprendre donc que les légendes se déplacent ou que les légendes se ressemblent, ce qu'on sait déjà, mais c'est pareil, on a toujours des livres sur les légendes de l'Aude, les légendes de la Catalogne, etc. Mais quand vous jetez un coup d'œil un petit peu plus loin, ben vous avez des légendes en Ariège qui vont vous donner des clés pour comprendre des légendes qui ont perdu certains des éléments qui sont encore vivants de l'autre côté du Canigou et qui ne sont plus là,
dans la version qu'on raconte à une certaine époque. Donc, vous découvrez qu'il y a un fond commun, en vérité, dans toute l'Europe. Bon, on peut même aller plus loin, hein. C'est le travail d'ailleurs de certains professionnels folkloristes. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi que les gens se transforment dans le temps. En Catalogne, on est dans une région merveilleuse puisqu'on a des colonies grecques et que donc le lien est facile à faire à travers les nymphes, les fées lavandières, surtout les fées lavandières du Moyen-Âge, avec l'eau, avec les nymphes, avec les sites archéologiques de l'Antiquité. Et avec une légende comme Pyrène, bon, enfin, j'explique tous ces détails là-dedans. Ça m'emmène d'ailleurs jusqu'à l'histoire du temple de Vénus au sommet des Pyrénées. Enfin, bref, je croise, vous voyez, l'archéologie, l'histoire, la psychologie, le légendaire, pour essayer de comprendre la logique des choses. Et la logique, en fait, est toute bête. La clé de la transformation de l'imaginaire au fil des siècles, qui fait que je puis vous dire que, d'une certaine manière, même d'une bonne manière, les extraterrestres du Bugarach ne sont autres que les démons du Canigou du XIIIe siècle. C'est que nous sommes fascinés par les personnages qui sont bien différents. Mais en fait, ce qui est important, ce ne sont pas les personnages, ce sont les motifs, ce que les folkloristes appellent les motifs, c'est-à-dire ces petits éléments qui composent le personnage. Et les personnages ont des motifs en commun. Par exemple, donc, l'être surnaturel est furtif, il apparaît, il disparaît, et il est également souvent d'une nature ambiguë. La fée, elle peut être bonne, mais ça peut être aussi la mauvaise fée, vous voyez. Et ce sont ces personnages aussi qui, n'étant pas humains, sont associés à l'au-delà ou à tous ces autres mondes qui, pour nous autres, les êtres humains, sont les symboles d'un au-delà. Un lac sans fond, l'espace sans fond tel que nous le concevons aujourd'hui. Parce qu'au XIIIe siècle, on s'imaginait que l'espace n'était pas infini, que c'était des sphères sur le modèle d'Aristote, etc. Donc, il y a ça, l'être de l'au-delà. Ça explique pourquoi ces êtres se transforment si facilement. Le chat, par exemple, qu'on va pouvoir associer assez facilement parce que c'est une créature qui sort de la forêt, aux symbiotes. Mais les symbiotes sont aussi des êtres qui enlèvent les enfants dans le Val-Espire. Mais vous avez la même histoire de créatures surnaturelles qui enlèvent un enfant et qui n'est autre, de l'autre côté du Canigou, que la sage-femme qu'on n'a pas appelée pour l'accouchement et qui, en vérité, est une sorcière qui se transforme en chat. Voyez ? En vérité, c'est la même histoire. C'est le même personnage qui prend des apparences différentes. Donc, vous êtes là à chercher la vérité des légendes, etc., mais vous courez après des fantômes, si je puis dire, qui sont les fantômes de notre imagination, qui est capable de prendre des formes les plus diverses, prodigieuses, mais d'une manière parfaitement logique. Dans ces motifs, il y a donc le lac sans fond, j'en ai déjà parlé, symbole très archaïque pour nous de l'autre monde et d'un autre monde où il y a de la vie. Parce que sous l'eau des fleuves dans lesquels on se noyait facilement à cette époque-là, et on peut encore se noyer aujourd'hui, hein, sous l'eau de l'océan, de la mer, etc., ou d'un lac qu'on situe dans un sommet aussi inaccessible que la montagne, il y a de la vie. Une vie mystérieuse et qui fait peur, associée à la mort aussi, parce que nous noyons dans ce milieu-là. Puis donc, il y a le thème de la montagne, le Canigou, le Bugarach. La montagne, et on s'en rend plus compte aujourd'hui parce que nous sommes des citadins qui roulons en voiture, qui montons avec notre 4x4 jusqu'à quasiment au sommet du Canigou pour la Saint-Jean. Voyez, on triche un peu, là. On peut plus se mettre à la place des gens qui, même dans des contrées comme celle-ci, en tout cas dans la plaine du Roussillon, avaient peur de ces montagnes. Des plus hautes montagnes. Les Romains associaient les montagnes avec la barbarie, avec la sauvagerie, avec les lieux inaccessibles où, voilà, qui sont le siège des divinités, des dieux, l'Olympe, etc., mais qui sont donc des lieux en quelque sorte interdits aux hommes ou dangereux pour les hommes. Indéniablement, on peut aujourd'hui monter au Canigou assez rapidement avec l'équipement d'aujourd'hui. Au temps passé, c'était toute une expédition. Et pourquoi y monter ?
Or, cette montagne a un deuxième motif très intéressant, qui est quand même troublant. C'est que mon lac, au sommet du Canigou, donc fait que la montagne est creuse. Au fond de ce lac se trouve le palais des démons, hein, où sont enfermés les malheureux qui leur sont voués soit éternellement, soit temporairement. Et le Bugarach est une montagne creuse aussi. Et là, on ne parle plus de démons et de leur palais, on parle d'extraterrestres et de leur soucoupe volante. Mais du point de vue des motifs, si vous analysez, c'est toujours la même chose. Donc il y a une deuxième clé. L'imaginaire se transforme. On peut se demander deux questions. Pourquoi l'imaginaire se transforme-t-il et pourquoi continue-t-il à vivre? Surtout à notre époque, on vous dit que tout est rationnel, qu'on a tout expliqué, qu'on va tout nous guérir, etc. Voilà. Que les savants sont en train de percer le mystère d'eux, et qu'on envoie des sondes, d'une façon d'ailleurs extraordinaire, là, à 6 milliards 4 de kilomètres, la dernière est passée, New Horizons, je ne sais pas si vous savez, l'objet construit par la technologie humaine vient de passer, de photographier l'objet le plus éloigné de la Terre, qu'aucun objet humain n'est encore atteint, 6 milliards 4, il va falloir 2 ans pour que les savants reçoivent toutes les images qui viennent tellement c'est loin. Ultima Thule s'appelle cet objet, je le dis parce que ce qui est extraordinaire, c'est que notre science, la technologie moderne, dans cette nouvel univers dans lequel nous vivons, elle donne les noms des géographes grecs et latins. Hein? Vous voyez, comme il y a aussi ça qui continue à vivre. Nous avons besoin de l'imaginaire. Ça fait partie aussi peut-être d'un besoin humain, simplement pour que la vie soit plus drôle. C'est un besoin qui nous aide aussi à répondre à nos angoisses. Ça nous rassure. Par exemple, de croire qu'il existe un Dieu ou des extraterrestres qui interviendront si les hommes appuient sur le bouton rouge de la bombe nucléaire. C'est un détail que vous trouvez dans la correspondance que les Humites, comment dire, un épisode de la mythologie extraterrestre qui a été très populaire en son temps, qui est né en Espagne, mais qui avait des adeptes jusqu'au Japon et en Corée dans les années 80-90 et qui vit encore un petit peu dans ces lettres envoyées par des extraterrestres aux humains, soi-disant. Il y avait ça à un moment où on avait vraiment très peur de la guerre nucléaire. Comment donc ça se transforme? Je voudrais dire d'un mot que ça se transforme en fonction de notre capacité à croire aux choses surnaturelles. Pour les gens du Moyen Âge, ou même de la Renaissance, ou les paysans au XIXe siècle, bon, croire que le diable se réunissait avec les sorcières au sommet de tel sommet, derrière le village, il y a sa chaise, etc. Ce n'était pas trop un problème. Je crois que c'est dans le deuxième, j'étudie cette question, des témoignages qui montrent à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, que ces paysans, certains commencent à douter quand même. Ils se demandent, surtout quand ils ont eu le malheur de se retrouver piégés dans la nuit à cause d'un orage, à l'endroit où se trouve la chaise du diable, et où il a le sabbat des sorcières, dit-on. Et alors, le malheureux qui raconte ça dans un village catalan, pas très loin d'ici d'ailleurs, en 1902, si ma mémoire est bonne, il a vraiment très peur durant la nuit. Bon, il est avec son chien, mais il a des doutes. Et quand il redescend, ben voilà, c'est devenu un rationaliste qui a détruit un petit peu du légendaire traditionnel. Donc, on ne peut plus aujourd'hui, enfin, plus difficilement, croire aux démons. Bon, on les fait encore, ça passe. Les extraterrestres conviennent bien à notre vision des choses. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, et quand vous faites un peu d'histoire des mentalités, vous réalisez à quel point l'au-delà faisait partie du monde des gens. Il n'y avait pas de coupure, si vous voulez. Le mot au-delà nous laisse croire que, bon, il y avait ce monde-ci et puis celui des morts. Non, il était très présent pour eux. Et donc, les fantômes, les saints qui faisaient des apparitions, c'était des choses qui, à la limite, étaient tellement normales qu'on racontait au XIXe siècle que dans une mine où il y a eu un coup de grisou, les mineurs ont vu des lumières et que ce sont les anges gardiens qui sont venus pour leur donner du courage avant qu'on ne les délivre.
Et on y croyait. Aujourd'hui, on vit dans un autre univers où donc on envoie des fusées dans l'espace, où on envoie des sondes, et Dieu sait si ces histoires sont belles aussi pour l'imaginaire. Et donc on croit plus volontiers aux ovnis en tôle et boulons, comme on disait à l'époque, nuts and balls en anglais, et aux extraterrestres qui étaient là aussi pour enlever des gens quand ces légendes, enfin pardon, ces témoignages commencent à apparaître, exactement comme les démons vous enlevaient. Ça va même très loin. Vous avez le motif de la créature surnaturelle qui a l'apparence d'un être humain. Mon démon du Canigou est exactement semblable au drac que vous trouvez dans le même ouvrage de Gervais de Tilbury, qui lui vit à Arles, qui travaille pour l'archevêque d'Arles, et qui raconte, les gens croient qu'au fond du Rhône, il y a des créatures qui ont des enfants, des hommes, des femmes, comme ici d'ailleurs, hein, les fées, c'était un peuple avec donc des hommes, des femmes, des enfants. Et certaines personnes se noyaient, ils entraînaient les gens au fond, ils entraînaient des nourrices qui le laissaient revenir dans leur monde quand elles avaient nourri leurs enfants. Et il y a ce détail extraordinaire. Certains, donc, se promènent avec une apparence humaine dans les marchés de nos villes, sur les bords du Rhône. Mais vous êtes en plein Men in Black. D'ailleurs, dans la salle, il y a peut-être parmi vous des extraterrestres. Non, mais vous voyez. Pourquoi s'arrêter? Qui m'écoutent et qui, j'espère, resteront pacifiques. Donc, où sont passés les extraterrestres? Si les ovnis que nous avions dans les journaux toutes les semaines, il y a quand j'étais jeune, sont moins nombreux, c'est quand même assez frappant, même si de temps en temps, on a une émission de télé qui vous dit si, on a vu quelque chose ici ou là, il y a nettement une certaine disparition. Peut-être que c'est dû à leur plan. Peut-être que tout simplement l'imaginaire s'est encore transformé. Moi, c'est une thèse que je développe. Alors ici, c'est plus dans le premier que je parle du Bergerac et de la manière dont, en m'aidant de témoignages très précis des ufologues des années 80, donc je ne vais pas vous ennuyer trop avec ça, si vous voulez tous les détails des ufologues, je parle de Jimmy Guilleux, de comment dire, Jacques Vallée, d'Antonio Ribera, qui a fait vivre une histoire d'extraterrestre Canigou qu'il avait commencé à inventer lui-même, qu'il avait publié sous un pseudonyme plusieurs années avant, qui donne à Jimmy Guilleux en lui disant: c'est un témoignage d'un ami à moi, qui évidemment se transforme ensuite dans les revues d'ufologie en témoignage authentique. Ça se passe à Vernet-les-Bains, etc. Donc bref, nos extraterrestres du Bergerac, ils sont déjà en quelque sorte dans le Canigou un peu avant qu'ils n'occupent cette montagne-ci. Donc je vais finir avec la troisième clé qui explique que la vitalité de l'imaginaire, grâce à ces transformations qui fait qu'on continue à croire en choses ou à se poser des questions sur des choses extraordinaires, malgré la transformation de notre monde depuis le Moyen Âge. La troisième clé, c'est donc un vrai mystère pour moi, enfin plus intéressant encore, peut-être plus important que de savoir si l'extraterrestre existe, s'il est ici sur cette montagne, ou si, il y a un trésor à trouver encore à Rennes-le-Château. C'est le mystère de l'esprit humain, tout simplement. Si vous rencontrez un extraterrestre, imaginez la scène. Personnellement, je continuerai à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? C'est aussi fascinant, j'allais dire, et étrange que d'être là en face de vous. Non, il y a quelques années, nous n'étions même pas nés. Nous ne serons pas toujours vivants sous cette forme, en tout cas. L'extraterrestre se pose les mêmes questions. Il n'est pas le bon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a, même si l'extraterrestre vous apparaît, il y a des questions qui demeurent, hein, qui me paraissent encore plus intéressantes. Et dans le mystère de l'esprit humain, toutes ces histoires et les doutes qu'elles nous suscitent reviennent à une première chose, c'est ce que j'appelle la conscience fascinée. Quelque chose en nous fait que nous sommes fascinés par ces histoires et par donc certains personnages et par ce doute. Et quand nous voulons croire, nous croyons. Il y a en nous quelque chose de très puissant qui fait que quand nous avons décidé à croire, et je ne suis pas là pour convaincre d'ailleurs qui que ce soit, hein,
Nous croirons qu'on nous démontre que nous sommes dans un délire complet, si nous nous sommes persuadés que nous sommes je sais pas, une réincarnation quelconque, nous continuerons à le croire. Pourquoi ? Parce que donc nous en avons besoin, en tout cas temporairement, et cela passe par un phénomène également fascinant, encore plus fascinant peut-être, qui est le dédoublement toujours possible de notre esprit. Quand il est pathologique, ça s'appelle la paranoïa, hein, ou la schizophrénie. Ça prend des formes bénignes, d'ailleurs, vous et moi, ça a pu, hein, ça, si vous vous observez, vous passez à côté de quelqu'un qui a une sale tête, vous vous demandez si, voilà, si vous regarde, pourquoi il me regarde aussi bizarrement, etc. C'est de la paranoïa. Hein. Peut-être que le bonhomme est dans ses pensées à lui, qu'il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et qu'il enfin, ne vous veut aucun mal. Mais ça peut aller très très loin. Je me rappelle l'histoire d'Henri Gougaud, un conteur, qui nous racontait cette histoire de l'autre côté du Bugarac, qui un jour se retrouve à un repas à Rennes-le-Château. Et il nous raconte que lors de ce repas, il avait en face de lui quelqu'un qui prétendait très sérieusement être un pilote de soucoupe volante et un autre qui prétendait être le comte de Saint-Germain. Et à un moment dans le repas, le comte de Saint-Germain sort de son costume. Il était habillé de façon très... qui allait bien avec son nom. Une fiole. Il met quelques gouttes dans son verre. Et donc, Henri Gougaud, vous savez, le conteur, l'écrivain, lui dit c'est l'élixir d'immortalité. Et l'autre homme lui répond très sérieusement oui. Et j'ai demandé à Henri, mais ne crois-tu pas que peut-être, même sans doute, cet homme croyait en ce qu'il disait ? Nous n'en savons rien. Hein. Peut-être qu'il est dans une mystification dont il est conscient. Mais Henri a répondu oui, il est tout à fait possible que cet homme ait fini par croire en ce qu'il disait. Et on en a des exemples. Alors, dans donc, l'histoire de l'ufologie, on a des exemples. On en a des exemples aussi dans l'histoire littéraire, à la Renaissance, donc un domaine que j'ai bien travaillé. Des faussaires, et ça existait à toutes les époques, écrivaient de soi-disant textes de l'Antiquité pour démontrer des théories qui étaient les leurs et que les autres ne voulaient pas croire. Alors, ils inventaient des textes pour les prouver. On a inventé comme ça pour, autour du culte des reliques, vous savez, des défauts en tout genre. Hein. C'était, ça se savait. Et les historiens d'aujourd'hui vous le démontrent assez facilement. Mais ce qui est plus fascinant, c'est quand le faussaire finit par croire en sa mystification. Et c'est facile d'écrire un faux. Hein. Enfin, j'en ai écrit un que je présente comme tel. Je l'ai envoyé à la Bibliothèque nationale de France. Une histoire présentée comme la traduction latine trouvée à Perpignan, donc dans un incunable autour de 1500, d'un texte écrit en grec, beaucoup plus dans l'Antiquité. J'écris, parce que je peux le faire, quelques morceaux de l'ouvrage latin, en disant « Nous préparons l'édition scientifique complète du texte ». Et en attendant, voilà, on vous en livre la traduction. Et la personne qui reçoit donc mon ouvrage, c'était auto-publié, mais si vous voulez faire un dépôt officiel et que votre livre est une existence officielle, vous envoyez un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Et il vous donne un ISBN. Elle me téléphone, elle me dit, mais sur un mot, c'est vrai, c'est un authentique texte de l'Antiquité, je range ça où ? Et alors là, vous avez le choix, on dit oui, non. Plantade, lui, son scrupule à envoyer des textes sans dire que c'était des faux. Ma femme m'avait sermonné, je l'avais mis dans le secret, elle m'a dit, tu ne peux pas quand même laisser les gens dans la mystification. Mais vous voyez, je voulais faire l'expérience qu'on avait fait les faussaires et qu'on peut toujours faire. C'est très facile. Après donc, il y a ce dédoublement qui peut aller très loin. Et pour vous laisser sur le mystère de l'esprit humain, je voudrais lire un rêve, pas mon rêve, mais le rêve d'un grand spécialiste des rêves qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui, vous le savez, hein, s'est penché sur ce que lui appelait la mythologie ovni. Il en a donné des explications qui valent ce qu'elles valent et sur lesquelles il est un peu revenu d'ailleurs à la fin de sa vie. Mais je trouve qu'il a fait un rêve qui semble tout à fait authentique, qui
qui est encore plus intéressant peut-être que de savoir si les ovnis existent ou pas. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous le lis. Il est donc à la fin de mon deuxième ouvrage, « Rêves et légendes d'hier et d'aujourd'hui ». Jung dit, vous pourrez aller voir la source, hein, « J'aperçus de chez moi, donc ça c'est son rêve, j'aperçus de chez moi deux disques de métal brillants en forme de lentilles. Ils filaient vers le lac, au-dessus de la maison, en décrivant un arc de faibles rayons. C'était deux ovnis, puis un autre corps sembla se diriger directement vers moi. C'était une lentille circulaire comme l'objectif d'un télescope. À une distance de 4 à 500 mètres environ, l'objet s'immobilisa un instant puis fila au loin. Immédiatement après, un autre corps arriva en traversant les airs, une lentille d'objectif avec un prolongement métallique aboutissant à une boîte, sorte de lanterne magique. À 60 ou 70 mètres de distance, il s'arrêta dans l'air et me visa. Je me réveillai en proie à un sentiment d'étonnement. Encore à moitié dans mon rêve, une idée me traversa l'esprit. Nous croyons toujours que les ovnis seraient nos projections. En fait, ça, c'était sa théorie à lui. Hein. Or, il semble bien que c'est nous qui sommes leurs projections. La lanterne magique me projette sous la forme de Jung, mais qui manipule l'appareil ? Ah, j'adore. J'adore d'autant plus que le folkloriste, celui donc qui étudie la manière dont l'imaginaire se transforme, se trouve embêté quand il rencontre des gens qui lui disent « Voilà, j'ai vu un fantôme, ou la maison était hantée, ou nous avons entendu ceci, ou vous voyez. » J'en ai fait un petit recueil de livres et des histoires, je n'avais pas les chercher moi-même. J'ai eu telle vision de gens parfois très proches de moi. Et là, vous ne pouvez pas classer ça dans contes et légendes. Moi, j'appelle ça un récit extraordinaire. Il y a le facteur X qui demeure derrière ces histoires, qui montre bien d'ailleurs que selon les personnes, il serait assez facile qu'une histoire de fées se transforme en histoire d'extraterrestres. Bon, j'en donne des exemples très troublants d'une personne très proche de moi dans la famille qui a pu être prise pour une folle à un certain moment, mais qui est quelqu'un qui est adorable, certainement d'ailleurs une des personnes les plus épanouies de la famille, toujours heureuse de vivre, et qui vit avec cet imaginaire qui fait qu'elle gère très bien ses peurs, parce qu'elle en a aussi d'ailleurs. Mais... tout ça pour vous dire quoi ? Que... toutes ces histoires, ces belles histoires, comblent un vide en nous, indéniablement. Si l'homme de science ou la raison, le rationalisme, détruisent le plaisir que nous avons et le mystère de la légende, ça s'appelle le désenchantement. Et alors, j'ai vécu ça à la fin de mon premier livre. J'avais trouvé tellement d'explications à la manière dont les choses se transformaient et s'étaient créées par notre imagination que j'en étais presque un peu triste, quoi. Je ne pouvais plus croire aux extraterrestres, aux fées, aux fantômes comme avant. Vous voyez, et ça peut aller loin. Vous pouvez haïr celui qui vient vous détruire, vous montrer la logique de vos histoires. Et ça s'appelle le complotisme. Quand vous dites non, je ne vais pas l'écouter, celui-là. Ça, c'est du rationalisme. On nous cache des choses. Les extraterrestres sont là. Les puissants de ce monde le savent. Hein, ça va très, très loin. Hein. Sur Internet, c'est fabuleux. C'est les lémuriens, c'est ça les reptiliens, pardon. Hein, et donc, tous ces moyens modernes de faire vivre, autrement qu'au Moyen-Âge, le même type d'histoire qui font peur. Mais qui en même temps servent à quelque chose chez les gens qui ont besoin d'y croire. Moi, j'aimerais juste vous dire que vous êtes des trésors extraordinaires. Tout est rien que vous êtes. Hein, vos enfants sont des trésors, des miracles. Le fait que nous soyons là ensemble, quel miracle, non ? Et donc, voilà, j'aimerais bien que le trésor de Rennes-le-Château ne vous fasse pas oublier ce miracle que vous êtes et que nous sommes tous. Voilà.